la paroisse, Monseigneur le vicaire général, nous le nom de bienvenue. Christ.
montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus de nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne seront donc plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils sont et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté de main d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille les réjouit, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Par sa mort et sa résurrection, le Christ notre Seigneur rassemblera dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 11, verset 45 au verset 57. Frères et sœurs, et vous levez pour acclamer dès la grande nouvelle du Seigneur.
Saint Jean au chapitre 11, les versets 45 à 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allaient trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : qu'allons-nous faire ? Cet homme a conduit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres : quiconque saurait où il était devait le dénoncer, pour qu'on puisse l'arrêter. Et au centre de l'âme, à
à travers le texte de ce matin aussi, la traque contre Jésus. On veut à tout prix le tuer. Qu'est-ce qui se passe? La panique s'empare des autorités religieuses. Elles s'entrent dans une description d'un péril vraiment pessimiste. L'institution va être mise à mal et les forces politiques vont finir par déstabiliser ce qui reste de la foi. Il est incroyable de voir comment le cœur de l'homme s'emballe face à la peur de ne plus faire comme avant, de perdre des acquis au point de ne plus laisser place à Dieu. Et pourtant, ces autorités ont constaté une foi naissante dans la population, beaucoup de gens. À de multiples reprises, Jésus s'émerveille devant la foi des personnes qu'il rencontre. Face à la foi de la Syrophénicienne, il découvre que sa mission s'élargit à toute nation. Face à la foi des quatre hommes qui portent un brancard pour un paralytique, il répond par la guérison de celui-là. Face à la foi du centurion, il s'étonne de ne pas savoir trouver une telle foi en Israël. Jésus s'étonne, s'émerveille, s'ouvre au message de l'Esprit. Malheureusement, face à la foi des Juifs qui ont vu le signe de Jésus, la réaction de l'institution n'est pas l'ouverture, mais la peur et la panique. Au lieu d'observer, cherche à arrêter Jésus et entre dans un cercle et un cycle de violence. La réanimation de Lazare, à laquelle le texte de l'Évangile a commencé aujourd'hui, après la résurrection de Lazare, porte son fruit de conversion. Les témoins, nombreux, crurent en Jésus. L'Évangile précise qu'il s'agit des Juifs venus entourer la famille dans son deuil. Aussi, vu la situation sociale de Lazare, on peut supposer qu'il s'agissait de notables, des gens bien. Probablement même une partie des pharisiens, puisque quelques-uns allèrent trouver leurs confrères pour leur raconter ce que Jésus avait fait. Devant cette popularité, qui atteint même les membres influents de la communauté, on comprend l'inquiétude des autorités religieuses. L'affaire leur semble suffisamment grave pour convoquer d'urgence le grand conseil. L'évangéliste nous fait discrètement pénétrer dans le cercle, dans l'hémicycle, afin de nous permettre d'assister au débat de cette assemblée des sages, regroupant les représentants et représentants des principaux partis religieux. Hélas, leur délibération est un modèle de démagogie. Ces messieurs reconnaissent que cet homme a compris un grand nombre de signes. Et les signes suffisamment parlants pour provoquer un vaste mouvement de conversion. Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui. Il reconnaît cela. Mais au lieu de se pencher sur l'interprétation des faits à la lumière des Écritures, ce qui était d'ailleurs le ministère spécifique du Grand Conseil, les chefs religieux se soucient uniquement et avant tout des éventuelles retombées politiques de l'affaire. Qu'est-ce que nous allons devenir? Si tout le monde le suit, personne ne sera avec nous. L'intervention de Caïphe exprime tout haut ce que les groupes pensaient sans oser le formuler. La raison d'État doit l'emporter sur le sort d'un individu particulier. Pour couper la violence qui risque de déferler sur la collectivité,
Il n'est pas d'autre moyen que de la détourner sur un bouc émissaire, sur une personne. L'histoire abonde cependant d'exemples démontrant le caractère illusoire et éphémère de ces fausses solutions. Quand je dis ça, nécessaire, j'ai pensé au bouc émissaire qui est aujourd'hui l'Ukraine. Quand on regarde la situation mondiale, quand on regarde la souffrance des uns ou des autres, les Congolais commencent à souffrir beaucoup déjà de la guerre de l'Ukraine. L'escalerie a augmenté de prix. Oui ou non, on va cuisiner bateau. Et il faut un couple d'hissère. Si on tue l'Ukraine, si on met sur le bord de l'Ukraine, nous serons tranquilles. On ne va pas mettre en danger un État comme la Russie. Il faut bien que quelqu'un meure pour qu'il y ait la paix. Voilà le même raisonnement ici, dans l'évangile d'aujourd'hui. La paix ne se maintient pas au prix du sang innocent. Car c'est lui qui crie vengeance et nourrit la spirale de violence qui les prend bien vite de ses droits. Pourtant, l'évangile ajoute qu'en raison de son ministère, les grands prêtres, c'est-à-dire les représentants dédiés auprès du peuple et des porte-paroles de celui-ci devant Dieu, c'est que les Écaïfs ne venaient pas de lui-même. Mais il fut prophète en revenant que Jésus allait mourir pour la nation. Mais non seulement notre Seigneur va donner sa vie pour la multitude, mais son sacrifice, offert une fois pour toutes, portera un fruit de paix et de réconciliation demeure. Car contrairement aux holocaustes instaurés par les hommes, l'offrande de Jésus n'est pas une instigation symbolique à renouveler sans cesse, précisément parce que la mort n'aura pas le dernier mot. Nous allons célébrer cette semaine ce mystère de notre foi. Le déferlement de violence sur l'agneau et l'usère ne conduira pas à la destruction. Voilà notre joie. Cet homme qui va être méprisé, maltraité, violenté, tué, ne sera pas là, il sera ressuscité. Son anéantissement librement consenti sur la croix est admis dans le relèvement de la croix. Son holocauste dans le feu de l'amour ne nourrit pas une vengeance pure, car en sa personne, il a tué la haine. Ses bras étendus entre le ciel et la terre rassembleront la vérité, tous les enfants des dieux dispersés, bien au-delà des frontières de la nation juive. Cette base de l'évangile que nous venons d'entendre aurait pu prévenir toute tentation d'antisémitisme et plus largement toute tentation de violence religieuse en milieu chrétien. Quel contre-sens dramatique de démoquer les sacrifices de l'envers pour entretenir la haine, comme parfois nous arrive. Pourtant, que de sang versé tout au long de l'histoire, au nom du Christ, toutes ces guerres religieuses patricides trahissent la profonde incompréhension des belligérants qui ont mal interprété la parole de celui dont ils prétendent de défendre la cause. La haine creuse la blessure, élargit la déchirure. Seul l'amour cicatrice, seule la miséricorde guérit. Quand nous voyons depuis un mois et demi ces images à la télévision, des familles détruites, des enfants abandonnés, des familles déchirées, des vieilles personnes qui souffrent énormément dans un exode qui ne finit pas, nous pouvons nous dire vraiment qu'est-ce qu'il y a de construit, rien du tout. Il y a de ceux qui veulent distinguer des guerres bonnes ou mauvaises. Il n'y a pas de guerre bonne, de bonne guerre. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que c'est toujours le plus pauvre, c'est toujours la population qui paye
un prix cher, le prix de la vie. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Tout a une finalité. Aujourd'hui, Jésus nous amène à comprendre le sens de la donation, qui est l'unité. Il se donne. Il accepte d'être rejeté. Il accepte les complots, les mauvais regards. Non pas parce qu'il aurait commis un forfait, une faute quelconque. Non parce qu'il aurait péché. Lui, le juste, l'innocent, accepte tous les poids afin de rassembler les enfants de Dieu que nous sommes dans l'unité. La dispersion, les séparations, les conflits, les divisions entre chrétiens est une insulte à cette volonté noble de Dieu. En son Fils, il a pu briser les murs de la haine, dit Saint Paul, pour ne faire qu'un seul peuple. Malheureusement, la jalousie humaine, la haine, les mensonges, la tricherie, la corruption, cherche à tout étoffer, mais sans succès. Dieu a ses plans. À nous de nous poser des questions et de nous demander nos luttes, nos engagements ont-elles une finalité? Est-ce qu'il nous arrive, ou nous est-il déjà arrivé, de dénoncer, de traquer et d'incarcérer des innocents? Est-ce que nous sommes habités par des pensées de haine, de meurtre envers ceux qui nous disent la vérité ou qui ne pensent pas comme nous? Sinon, l'appel nous invite vraiment à aller dans la même direction, à respecter la parole des autres, à savoir travailler ensemble. Puissions-nous en souvenir de nos relations quotidiennes. Ne nous sommes pas invités à reconnaître le Christ en chacun de nos frères. À nous de décider si nous prenons le parti de cet accusateur et de ses bourreaux, ou si nous répandons sur son corps les parfums très purs de la charité fraternelle qui n'entre qu'en bas de la rue, supporte tout, espère tout, adieu tout, comme dit Saint Paul, à l'Épître aux Colossiens. Prions le Seigneur. Seigneur, quelle fois une petite réunion entre personnes partageant le même sujet, n'avons-nous pas condamné tel ou tel frère ou sœur sans même nous soucier d'entendre ses arguments? Lui satisfait de nous-mêmes et bien sûr convaincu de notre bon droit, nous nous sommes retirés la conscience tranquille. Ça nous rend compte que c'est toi que nous devions d'exclure de notre cercle, ou plutôt que nous devions d'exclure de ta présence, puisque tu te joins toujours à celui qui est sans défense. Donne-nous assez de délicatesse de cœur pour ne pas nous laisser entraîner à la médisance, mais accorde-nous tout au contraire que de nous chercher à comprendre, justifier, pardonner, plutôt que d'exclure, accuser et condamner. Amen.
trouvait rien de notre monde. À Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je te remercie. Merci.
și la tantă se reagește cu noi. Dar în caz din tantă se compune la demontere, la mantea de ea. E ajutată într-un ofsor, pentru că la tantă plus e de la mai folta tantinta la peie. În peie de la peie, sempre, sempre, se le apere a diferența aspect, de lucru tinta, nu e lucru, e sempre a fer. Să rândim o rege, mai simplu și rege, e nu s-a mos de s-a fi respectând calismul din congregație. Undeva, când puteți la tarte, puteți să puteți de vedere, cu de vreo s-a lăsat. Nu. Pentru calismul de nou respecte, e cum se lamenta o servis. În deces, la diferența în toată, nu am vremat, se nu am posibilitate, cum nu am vrut să servis, ca să se dea servis, nu am pare, ne alegrize de disciplină. Dar sunt, zon, privat, de respecte de calismul, de la un fapt, o să nu s-a văzut de sezen, și toate de secte, libonere, de la bon compreasiu, de se mutuă relaționist, diferite de respect, Și tu te-ai condus toujours à Jésus.
Marie à Jésus, cet amoureux d'amour qui s'établit. Cet amour qui est un autre charisme qui s'établit toujours dans une attitude de service comme celle de Marie. Merci beaucoup de votre présence. Père Carlos, je peux me permettre de dévoiler cette petite enveloppe uniquement pour nous donner ce signe de notre amitié mutuelle sur cet ouvrage qui vient d'être publié par notre confrère Fabrice Séni et qui prépare une thèse doctorale sur la théologie prophétique de Jean XVI. Qui vient d'être publié, je voulais vraiment nous rendre le signe de vous et notre amitié, le Seigneur, nous bénisse pour ce cadeau que nous faisons. Merci d'avoir